Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans ma voiture, dans ma petite Smart d'amour. Et on est reparti pour un nouvel épisode de 24 heures dans la Smart, sans sortir. Mais devinez, aujourd'hui on a une petite particularité. Je vous ai juré, je vous ai promis que 2022 je ferai plein de formats avec ma communauté essentiellement. Donc aujourd'hui je vais chercher quelqu'un que vous connaissez peut-être. Si vous avez eu l'occasion de suivre l'épisode du Community Challenge juste ici, vous allez pouvoir savoir qui est Nina. Elle voulait trop faire un 24 heures dans sa voiture. Et genre le hasard a fait que à Genève on se retrouve chez elle avec mon monteur Pablo. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est l'occasion, je le dis tout de suite, c'est pas ma meuf, y a pas d'ambiguïté. Romain il est célibataire, soltero, nada, nada, nada. Si vous avez des formats que vous avez envie de faire avec moi, la commu, vous envoyez dans les commentaires un maximum d'idées, de thèmes. À partir du moment où elle va rentrer dans la voiture, je vais attendre le moment où elle va fermer la porte. Alors là je vais lui dire, profite de ce siège, parce que tu vas rester 24 heures dessus. Hello. Salut Nina. Hey, ça va? Ça va et toi? Ouais. Dis-moi que t'es arrivé, dis-moi que t'as pas de problème de retard. Non, j'ai pas de problème de retard. J'ai des problèmes de bagagerie, mais pas de retard, tout va bien. Comment ça, des problèmes de bagagerie? Je suis un peu chargée. Mais attends, mais tu crois que j'ai quoi comme voiture juste? Bah, je sais pas, genre un monospace ou un truc comme ça. Tu m'avais dit que t'avais regardé la première vidéo, non? Ah ouais, mais moi je me suis dit que t'allais pas prendre la même voiture. Bon, les amis, là on est toujours devant la gare. Donc je vais l'attendre juste là. J'attends juste de voir qu'est-ce qu'elle a ramené comme valise. C'est ça moi qui m'importe le plus, parce que si la meuf elle a ramené une maison, on fait quoi genre? Je crois que je l'aperçois, regardez, regardez Nina qui arrive avec ses grosses valises là. Ah, Nina, ça va ou quoi? Ah, je suis fatiguée, on me manque de 24 heures dans la voiture. 3 bises, voilà, 3 comme bises. Ça j'ai pas raté. Nina, en chair. Hello. Et en os. Je suis enfin arrivée. Tu viens d'où là? Genève. Alors, oui, j'ai besoin de tout ça pour notre petit séjour. C'est 24 heures, ouais. Oui, je sais, mais on va rester dans une voiture. Moi, il faut que j'ai tout à portée de main, tout ce qu'il me faut, quoi. T'as vu la taille de mon coffre, s'il te plaît? Tu crois vraiment qu'on va mettre genre ça plus ça dans mon coffre qui est déjà pris là? Elle fait la moitié de ton corps, la valise. Ouais, 24 heures, mais pourquoi tout ça? Et ça, c'est quoi ça? On a un tirail de survie là, je te jure pour ça. Attends, juste deux secondes. Mais qu'est-ce? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On n'aura pas mangé par terre quand même, on est dans la voiture, mais faut que ce soit clean. Et Nina, elle a sérieusement pris une nappe, genre pour manger. Non, mais t'inquiète, ça va être comme à la maison. 24 heures dans la voiture, c'est comme à la maison. Wow. Ah, ok. C'est bon là, on est paré, t'inquiète. La voiture, elle est chargée de ouf. T'as vraiment pris une nappe? Il y a des cadeaux là, c'est quoi? Ça te regarde pas. Quoi? Ça te regarde pas. Ah ouais, parce qu'en plus t'es en doudoune, cuir. Ça a raison. T'es bien installé? Ouais. Tu sais que tu viens de fermer la porte? Ouais. Ah non. Tu peux me dire l'heure exacte sur ton téléphone? Midi 15. Il est midi 15. Alors je te le dis, c'est officiel, il est midi 15. Et tu n'as plus le droit de sortir, donc j'espère que tu as fait pipi. Non. Non, je dois faire pipi. Non, je dois faire pipi. Je dois acheter encore les trucs à manger. Moi, j'ai besoin de beaucoup de choses pour manger. T'as pris une nappe? Ouais, mais pas la nourriture. Maintenant, c'est trop tard. Vous êtes dans la voiture, vous faites partie, vous aussi, du 24 heures. On est ensemble. Bon, on va vraiment partir parce que là, ils vont nous serrer. Les pompiers, le SAMU, la police. Sur ma vie, on va faire un 24 heures en garde à vue. Hey. Allez, c'est parti. Bon, on va où en fait là? Non mais attends, tu me demandes à moi. Et moi, je viens de Genève. Hein. Mais moi, Paris, c'est chez toi, donc c'est toi qui va me guider. Hein. C'est une petite visite guidée of Paris là. Yes. Nina, comme je vous ai dit tout à l'heure, est celle qui nous a hébergés à Genève. Je sais pas, tu veux leur parler de toi un peu? Tu veux leur dire qui t'es? Moi je suis Nina, je viens de Genève et j'ai rencontré Romain dans le cadre de sa vidéo Community Challenge. Mm. Et puis c'est vrai qu'on avait passé un super bon moment. Et j'avais parlé du 24 heures dans la voiture et Romain m'a proposé de le faire avec lui. On se fait un petit check. Un petit check. En bas, en bas, pam. Bon allez, on va faire le petit tour de Paris, émission numéro 1, trouver où on va pouvoir manger ce midi. Tu les trouves comment les gens à Paris là? Tu redécouvres la mode à Paris, c'est vrai. Ah, c'est ridicule, je suis ringarde. Pourquoi? T'as dit quoi? La meuf elle a dit non, attends là je suis vraiment ringarde. On est en France, c'est juste Paris quoi. Et je suis genre là comme si j'étais à Disney quoi. Genre je regarde tout en mode meilleur, il y a ça à Paris et ça. Tu pourrais vivre à Paris ou pas? Ah, en vrai. Ouais. Mais parce que moi je pourrais y vivre partout.
J'habitais à Londres, à Lisbonne, j'adore bouger. Je te rassure, le salaire n'est pas le même qu'à Genève. Hein. Ouais. Combien on gagne à Genève en vrai? On va dire qu'un Français, il arrive facilement à se faire 3500 francs par mois. Tu connais le SMIC en France? 1200, je crois. Non. 1211, dernier mot. Ouais, c'est genre 1250, un truc comme ça, je crois. Bon, bah là, on est dans le 8e arrondissement, hein, puisqu'on continue à se balader. Je te fais la visite guidée. Voilà, on est passé par la place Madeleine, on est passé par les Champs-Élysées. Oh, la Tower! Et là, on passe à la Tour Eiffel, exactement. Je cherche toujours un restaurant qui accepte de nous livrer à manger dans la voiture. Ouais. J'ai trouvé un restaurant. Et ben, c'est pas trop tôt, parce que je crève de faim. Ah, ok. Et on est à 5 minutes. Petit comté. C'est à Boulogne-Billancourt et ils font de la super bonne bouffe. On va grailler où, petit oiseau? Bah déjà on a la nappe. Ah mais où? Sur nos genoux, genre la nappe on... Sur le capot, sur... Genre j'ouvre comme as et voilà, on mange là. On passe là, là et on met la nappe là-bas. Et on reste debout, ouais. Genre comme dans un bar en fait. Ouais. Le restaurant il est là, j'ai pas le droit de sortir, genre je fais comment? On doit manger! Klaxon. Ça dit quoi? Klaxon. Alors je vais les appeler. Pour leur demander s'il est possible qu'ils nous livrent. Oh, j'espère. Bon, vous êtes bien sur le répondeur du restaurant. Petit comté, bonjour. Ah, bonjour le petit comté. Ah, vous m'avez rappelé, vous êtes trop mignon. On est devant votre restaurant et on voulait savoir s'il était possible, vous pensez, de manger dans la voiture et d'être livré, genre dans la voiture. Oui, bien sûr. Pas de soucis, c'est possible. Oh, trop bien. Merci. Et c'est n'importe quoi, genre. Genre on mange comme ça, genre. Eh bah à l'aise. Ah mais toi tes épaules. On a la carte qui est arrivée. Moi je vais prendre œuf mayonnaise, assiette de saucisson, salade de betterave, crème... Non je rigole. Elle a pris la carte, genre. Super, et bah écoutez, je pense que j'arrive. Merci hein. Elle a vraiment pris la nappe, genre. Mais attends, mais... Non, non, fais surtout pas. Mais qui? La nappe qui me tombe sur les gueules. Ah, mais tu manges pas sur ta nappe? Oh, merci. Tu t'es mis une nappe, merci. C'est pourquoi en fait? Bah, ça va en fait, t'es plutôt pas mal là. Ah, mais ouais, je suis au top. Par contre, est-ce qu'on peut allumer ma petite bougie pendant que je mange? Ok. Oh putain. C'est quoi? C'est une bougie mémoriale, j'ai acheté. C'est quoi mes bougies mémoriales? Mais c'est pas une bougie pour les morts? Je te jure, oui. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès moi, j'ai vu une bougie avec un capuchon, je me suis dit ça, c'est super. C'est fait restaurant quoi. Vous bouffez en terrasse. Oh, bah, exactement. En terrasse, nous bouffons en terrasse. Voilà. Ah mais oui, en plus c'est vrai. Ah bah oui. Ah, mais... Vous voulez un petit peu? Non, c'est pour sort de table. Oh bah Ah non mais c'est... Allez-y, faites une photo, il y a pas... Merci, merci. On est des rois, là. On est au top. Franchement. C'est le feu. Je vais goûter les épinards. Vous avez vu, je respecte la diète. Hein. Je vous prépare un body transformation de folie. Le dessert signature de la maison. Oh là là, le dessert signature du petit comté. Et voilà, c'est ici qu'il faut venir, les amis. Petit comté. Franchement, eh ben, ils nous ont super bien accueillis. Ils sont super gentils et c'était délicieux. Je t'avais dit. Trop bon. Maintenant, reste à savoir ce qu'on fait. Il fait 3 heures que nous sommes dans la voiture. Il nous reste encore plus de 20 heures, genre. Qu'est-ce qu'on fait, genre? Viens, on se casse à Lille. À Lille? En fait, je dis Lille parce qu'il y a beaucoup de gens de Lille qui m'écrivent et qui me disent « Ouais, passe à Lille, passe à Lille, passe à Lille, passe à Lille. » Donc là, peut-être qu'il y a moyen que... 2h28. T'as le permis? Pas qu'un peu. T'as le permis? Aïe. Yes. On arriverait à 18h. Ouais. Ça tue le temps, en vrai, ça casse le temps, tu vois. Et Tu te promènes. T'as pas envie de faire pipi? J'ai envie de pisser à mort. Toi aussi? Non. Mais t'inquiète, moi aussi, je suis venue équipée pour faire pipi. T'es venue équipée? Ouais, je suis venue équipée. T'as pris quoi? Tu verras au moment venu. Vas-y, let's go, Lille, on arrive. On va visiter Lille. J'ai jamais été à Lille, donc on va. C'est l'occasion pour nous de. Ouais, de découvrir. Moi non plus, j'ai jamais été à Lille. T'as jamais été? Non. On m'a dit que l'Isère c'était le sang, tout le monde. C'était genre. C'était le feu. Donc on va à Lille. La journée pour 2h, j'ai moins de 4 heures dans ma voiture. C'est parti! On arrive! Ça y est, on est arrivé à Lille. On l'a fait! Je suis éclaté. Oh,
putain, on est KO. Franchement, par contre, on est vraiment KO. Hormis, la meuf, elle a ronflé, genre, elle était là, genre. Non, mais tout abuse long. Pas non plus. Mais quoi. Dima, t'as même un oreiller. Oui. Elle avait son oreiller. J'ai envie de pisser. Non, moi aussi. Et je voulais pas te le dire, mais. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi. L'heure du pipi. C'est l'heure du pipi. J'ai. Pour qu'on puisse respecter chacun notre intimité, j'ai. Opté pour une petite solution. C'est une sorte de tringle, tu vois. Et du coup, je pense que. Je pensais mettre une tringle ici entre nous. Avec des rideaux. Mais t'es mal les rideaux, frère, que j'ai pris. J'ai pris des vrais rideaux, allô. La vie, c'est un rideau de douche. Ah là, je suis mort. Ah là, je suis à fond de ce côté-là, alors. Mais non. Aïe. Mais. Ah, vous savez. Mais. La balèze de rideau que j'ai pris. Merde, je fais n'importe quoi là. Mais je crois que ça prend de la place. Bah voilà le sang. T'as capté. On a un vrai rideau, wesh. On a un vrai rideau. Youhou. Non, ça fait pas comme dans les films, tu sais. Jenny, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne veux plus te voir. Hein? Oui, ça c'est important. C'est quoi ça? Attends. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as pris là? On pourrait faire un porte-papier toilette. Ah bon, c'est génial. Il est où? Attends, il m'a pas collé. C'est cassé la queue. Ok, c'est bon, j'ai le scotch. Tu peux attraper ça? C'est quoi ça? T'inquiète, c'est neuf. Ah, c'est ton truc pour pisser, ça. La vie de ma mère, c'est un truc pour faire pipi. Tu me l'avais envoyé en photo, je sais ce que c'est. Comment tu... Ouais. On recommence? Mais c'est comme ça. Ouais. C'est de l'autre côté. Mais comment ça, c'est de l'autre côté? Un micro, tu le tiens comme ça, non? C'est de l'autre côté. Ouais. Ah, t'es à fond, là? Ah, t'es comme ça, genre. Tu te fais des kiffs, genre? Ah bah, bien sûr, moi, je suis Maria Kawai. Mais tu es quoi? T'es Maria Kawai. Tiens, bah vas-y, tu sais quoi, genre on va dire que je suis jury. Ok, et oh genre, putain, et je donne tout. Et je me retourne ah si ouais, c'est bien. Ah ouais, putain, comme dans The Voice, mon frère. Tu ne te retournes pas, pourquoi? Oh yeah. Without you, I can't live without the two. Qui t'a dit que t'avais un talent? Je t'en supplie, qui a dit ça? Arrête. Bon, je vais faire pipi. Moi, je vous laisse. Hein. On se revoit après le pipi. Hein. Ouais. A few moments later. Alors, le pipi? Oh, putain. La délivrance. Tu connais cette sensation? Ah. Et franchement, mais je le conseille à toutes les meufs. Sérieux? Mais c'est... Non mais par contre, tu ne m'approches pas avec ta connerie là. Hé, non. Je l'ai lavé, maintenant il est... Mais comment ça tu l'as... Non. Non. Il y a Uber Eats ici. Bah j'espère quand même. Bah vas-y, viens, regarde sur Uber Eats. Déjà, ils m'ont pas payé, wesh. Je dis Uber Eats, wesh. Je fais de la pub. De toute façon, je m'en fous, j'aime bien Uber Eats. Commandez chez Uber Eats. J'ai pas de code promo, mais vas-y, je fais de la pub. J'aime bien Uber Eats. Uber Eats. Eh, hey, tu connais Uber Eats? Ouais, c'est cool. C'est toi, c'est cool. Oh, ça va et toi, c'est cool? Ouais, ça va, super bien. Ah, t'es à l'heure, t'es bien. Hein, c'est carré avec ses coups, wesh. Ah ouais. Merci, ses coups. Merci, voilà. Eh, merci. Le sang. Je vais mettre un petit pourboire et une bonne note. Yo, tout le monde, désolé, ça a coupé en fait dans la vidéo parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. Et en attendant, bah du coup, on va filmer à l'iPhone, hein, tu connais. Donc, on a pris des sushis, petite salade de légumes, petite... voilà quoi. Un kiff. Ils nous ont mis qu'une seule paire de baguettes. Il y en a deux. Donc en fait on a décidé de la partager.
Romain il mange sa salade avec un tout petit pic. Je fais de la peine, la vie de ma mère, je suis comme ça, genre. Bon, moi je suis vraiment très 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 fatigué parce que j'ai enquillé toute la route. On va aller dormir un peu, non? Non, pas du tout. Non, j'ai prévu une soirée d'animation. Mais elle est incroyable cette meuf. Vous comprenez pourquoi je suis venue charger? Moi j'ai apporté du matos. Je suis venue équipée pour la night. Mais tu crois on va nighter là? Alors moi j'ai pris une petite soirée. Des petites actions vérité. Action vérité. Alors c'est parti du coup pour un action vérité. Mais attention safe hein. C'est pas genre un action tu vois. Il fait chaud là. Vérité. Quoi ton habitude? La plus dégoûtante. Ouais, j'en ai une que vous verrez tous demain matin. C'est quoi? Je vais te le dire. Un petit indice, j'aime tout tremper dans tout. Wow, on arrête. Tu parles de quoi là? D'alimentation. Let's go. Ok, demande-lui de faire du air sex et de donner du plaisir à une personne invisible. Wesh, tu dois draguer la caméra. Voilà, en fait. Fais comme si tu voulais lui donner du plaisir à la cam. Non, j'ai pas bien fait, attends, j'ai pas fini. Ah ouais, parce que bonjour, c'est. Ah ouais. Ça, c'est ce que tu peux donner. Il y a un truc là, non? Ouais, je peux plus voir ça. My god, je suis choquée. Non, mais continue en plus. Ok, vas-y. Pour ou contre le rasage des parties intimes? Ah, mais pour. Mais no way. Mais y'a pas de poils en bas, c'est mort. Moi, j'ai des poils un peu. Ouais, mais encore, toi, t'es un homme. Ah, bah voilà, quand t'es un homme, ça passe. En vrai. Déjà, pour une femme, pour moi, y a pas de poils. Ah, mais tu peux avoir un petit ticket, ça passe. Moi, j'aime pas. Moi, perso, je préfère à sec. Non, à sec. À sec hein. Mais vas-y, on passe. À blanc. C'est Romain du futur qui vous fait un petit vocal. Désolé les amis, on a eu un petit problème de micro. Du coup, pas de panique. On a quand même les images. On vous met ça. Et j'espère que vous kiffez la vidéo. T'as bien dormi ou quoi? Ça va, franchement. Oh bah. Il a fait froid ou pas un peu cette nuit? Moi j'ai sorti des grosses chaussettes. Le moteur il a tourné pratiquement toute la nuit. C'est mieux que la classe éco. C'est pas le business. Ouais. Je t'ai vu carrément, tu te croyais dans un lit, t'as pris ton truc, tu te retournais. J'ai dit, mais comment elle fait elle par contre? Putain, elle a bien dormi en vrai. Il est 9h. Faut qu'on aille à Paris. Faut qu'on déjeune. Mais j'ai pas pris de petit déj moi. J'ai tout prévu, t'inquiète. Lait, bol, cuillère, céréales. La prochaine vidéo avec un abonné, il va ramener quoi lui? Une maison la prochaine fois? Moi je bois pas trop de lait, hein. Je sais pas pour vous les gars, mais moi... Toi t'es plutôt thé. Ouais, moi je suis thé à mort. Et vas-y, c'est parti, hein. Nuit vraiment calme, posée, franchement facile. Ouais. On retient la classe premium et c'est parti, on prend la route pour Paris. Je vais juste mettre un peu d'essence, les amis. Bon, le mec me l'a gentiment mise. Là, j'ai dit un truc chelou, là. Pas trop la galère? Hein? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. Ça, c'est mon domaine. J'ai le droit de faire ça? Bah ouais, parce que j'ai un pied dans la caisse. Ok. Ok, mon gars! On est bientôt arrivé sur Paris. Il est midi. Il reste... 15 minutes. Et on n'a même pas encore déjeuné, ouais, petit déjeuner. Tu sais quoi, on va se mettre là, parce que je la sens bien ici, genre...
Ça, c'est du créneau, t'as capté? Ça, c'est du vrai créneau, quoi. Cheveux en pétard, pyjama, crinosaire. Ouais, des petits poils dedans. On dirait des poils de foufou. Ils étaient avec mes petites culottes dans la valise. Merci. Il nous reste 4 minutes en vrai et on est encore au petit-déj. Genre, je peux même limite prendre mon petit-déj dehors, genre. D'habitude, je prends pas de lait, hein. Ça me donne des diarrhées un peu. Ah, heureusement que c'est la fin de la vidéo. J'aime tout tremper dans tout. Ne me dis pas que tu viens de mettre du Coca-Cola dans tes chocs à pic. Je vous jure que c'est trop bon. C'est, moi, c'est mon petit-déjeuner. D'habitude, micro-ondes, mais là, je pouvais pas transporter de micro-ondes. Ça rentrait pas dans la valise. Non mais wesh, il est midi 20. Yeah! Ce qui veut dire que nous avons fait 24 heures et 5 minutes. Je suis grave content parce qu'on a réussi à réaliser ce challenge de 24 heures enfermé dans une voiture avec une abonnée. Franchement, je suis mais ultra contente. Franchement, c'était top du top parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment rigolé. Super expérience. Et puis, bah, merci à tous. Hein, Comme je vous l'ai promis précédemment, cette année 2022, je ferai beaucoup plus de formats avec la commu. J'ai envie d'avancer avec vous. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche pour être averti de toutes les nouveautés, les vidéos. Vous avez ici son Instagram. Nina-Santos. Abonnez-vous. Mettez-nous en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez d'autres idées. Pourquoi pas un 48 heures avec 3 abonnés dans un van. Et on se revoit pour de nouvelles aventures. Bye. Ciao. Tiens ton petit déj, la vie. Délivré. Allez, non, vraiment, là, c'est la dernière. Ciao, ciao.